Et là, des fois, il y a deux ou trois personnes qui viennent voir le café. Viennent voir un café ici. On discute avec eux. Ben voilà. S'ils veulent se confier un petit peu, se poser des questions, des fois on peut répondre. Ou des fois, on dit on peut pas trouver une solution. Mais ici, c'est ouvert à tout le monde. À n'importe quel type de gens. Voilà. D'où l'intérêt d'un espace communal citoyen. L'espace et le gène, c'est à la fois la même chose et en même temps, c'est. C'est-à-dire que nous, on propose ce mélange de population, oui. Ça fait avancer les choses. Ouais. Parce qu'il faut se mobiliser. Si on veut changer les mentalités, il faut continuer à se mobiliser. Et même ceux qui ne participent pas à la recherche-action, il faut dire que nous, on est porte-parole aussi, on est là pour les aider, les autres aussi qui ne sont pas là. On est là aussi pour les aider et pour leur dire, voilà, on a un groupe qui se rassemble pour vous aider aussi, on ne pense pas qu'à nous, on est là pour vous aussi. L'intention et l'idée qui est à l'origine de ce livre, c'est de se dire que certes, le mouvement des usagers en santé mentale existe. Certes, ce mouvement revendique la reconnaissance de sa parole en tant que telle, non pas seulement en tant que personne individuelle, mais en tant que population discriminée. Encore faudrait-il, si l'on veut prendre en considération que ces personnes ne sont pas des personnes à part, mais des personnes à part entière, que l'on puisse effectivement étayer cette revendication d'une recherche théorique. Il ne s'agit pas seulement de crier des mots d'ordre, et encore faut-il effectivement poser les choses d'une manière, d'une revendication d'un ordre de savoir. Et c'est ce travail théorique que j'ai essayé de mener à l'issue d'un combat quotidien avec les personnes et aux côtés des personnes en souffrance psychique. En essayant de voir finalement pourquoi cette disqualification permanente et surtout et comment on pouvait parler d'un authentique savoir de la part des usagers en santé mentale. Comment interroger les concepts comme les concepts d'usager, les concepts de personne, les concepts de la notion de handicap pour valoriser ce qui est une lutte, pour reprendre l'expression de Honnête, la lutte pour la reconnaissance de ces personnes en souffrance psychique que l'on traite de fou, c'est pourquoi je reprends ce titre qui a été le titre d'une campagne antidiscrimination que notre association a menée. Ce travail théorique qui illustre la devise de notre association qui est de dire le jour où des personnes peu habituées à parler seront entendues par des personnes peu habituées à écouter, alors de grandes choses pourront arriver, s'appuie sur la prise de parole des usagers eux-mêmes. Et c'est très important de les écouter. Les usagers sont en possession d'un authentique savoir qui est trop souvent négligé au bénéfice du savoir médical. Et cet ouvrage essaye de rendre compte de ce croisement des savoirs avec le discours des usagers d'un côté et le travail théorique de l'autre. Je vous remercie.